Alors les Sapins, c'est une maison qui existe depuis quand même pas mal d'années. J'ai créé cet établissement en 1976. Voilà, c'était pas hier. J'aurais pas dû le dire d'ailleurs parce que ça ne me rajeunit pas. Bon, je me suis absentée quelques instants et quelques années, je vais dire. Et puis j'ai repris en 1996. Et depuis, je suis là dans la cuisine, en fait. Voilà, on essaie de faire une cuisine avec les produits du marché, les circuits courts. On fait travailler les producteurs locaux les plus proches. Et on a pris les pintades de Ressac, de la Gaec de Peychou, Marie-Françoise Tolosa qui nous a fourni les pintades. Un bon produit déjà à la base. On aura aussi le foie gras des terroirs du Plantorel. Et la pintade, le rôti de pintade, donc on désosse nos pintades, on prépare une rousole. La rousole, c'est en fait ce que la préparation, la petite farce qu'on mettait sur la soupe aux choux. Voilà, c'est fait avec des œufs, du lait, du pain trempé, une persillade, du persil de l'ail, de la chair à saucisse. La chair à saucisse qui vient en l'occurrence ici de notre boucher charcutier local, Jean-Luc Marotte, qui fait une excellente charcuterie aussi, voilà, et qui a une excellente viande. Et ensuite, donc, on va désosser notre pintade, mettre notre rousole qu'on aura déjà cuit en amont au milieu de la pintade. Ensuite, on va faire des petits rouleaux de foie gras qu'on aura assaisonné, sel, poivre, un peu d'armagnac. Et on va rouler notre pintade de façon à faire un rôti qu'on va cuire ensuite au four et trancher pour disposer sur assiette.